Hello, hello! J'ai commencé un petit vlog ce matin et on dirait que je pensais pas que ma journée allait aller de cette tournure. Le matin, j'allais arriver tôt à la maison. Je savais que j'avais un rendez-vous garage. Premièrement, bienvenue dans un nouveau vlog. Et ce matin, j'avais le goût de commencer un petit vlog vu que j'aimerais vous en faire un la fin de semaine. Puis un comme dans la semaine, mais on dirait cette semaine, je sais pas, tu sais, la vie va, le train-train, la routine. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, oh, je vais faire des steaks, ça, noum, noum. Je vais leur montrer comment je fais. Mais, en réalité, c'est rare que je me lamente ici. Là. Moi, je suis pas une lamenteuse. J'aime pas ça me lamenter. Je pourrais me faire passer en transport sur le corps, puis comme, probablement que je vous le dirai pas. J'aime pas beaucoup ça, gars. Et j'essaie le plus possible d'être positive, mais tu sais, c'est pas pour faire semblant. Tu sais, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Hein. Oh, je pourrais en faire un de plus pour mes lunchs. Et bref. Je suis arrivée à la maison et ça me tentait pas vraiment de faire grand chose. J'ai arrivé ici à 5h40. Et comment dire, j'avais un peu beaucoup le dos en compote. Donc quand je me sens comme ça, habituellement, je suis comme un vrai mal patiente. Et là, c'est le temps du mois et c'est pas mal tout ça. Donc je me suis dit, garde, je vais laisser faire le vlog, mais en même temps, je me suis dit, garde, tout le monde a des mauvaises journées. Et là, j'ai pas eu une mauvaise journée. J'ai vraiment eu une belle journée. C'est juste quand je me sens comme ça, là, comme en ce moment, comme une journée qui est comme... J'aimerais avoir du Tylenol comme par intraveineuse. Je suis un petit peu mal patiente, comme je vous dis. Pas après personne, juste après comme... En tout cas, mon petit dos, là, des fois, là. Ben, c'est tout le temps comme ça, là. C'est pire quand... C'est le temps du mois, mais il y a tellement des choses pires que ça. Pour les gens qui me connaissent très près, vous savez qu'il y a bien des choses pires que ça. Mais si vous êtes nouveau ici, là, je vous garde pas sans quoi je suis en train de faire des bons petits steaks. Je voulais vous montrer justement. Pour les gens qui me connaissent pas, j'ai une scoliose double et j'ai bien une grosse bosse dans le dos. Et des fois, j'ai de la misère. Et... ben des fois, genre tous les jours. J'ai comme un mal chronique pour les gens qui savent pas que la scoliose, c'est quand ta colonne est en zigzag. Et quand je fais, comme tu sais là, je m'aperçois, la semaine est finie et mon dos, ça en aperçoit. D'habitude, c'est le fun quand j'ai comme un entre-deux, là. Quand j'ai une petite journée genre de pause, mais comme là, quand je m'aperçois, ça fait genre comme 3 jours, 4 jours consécutifs. Je le sens, mais je parlerai pas trop de ça parce que maman va avoir la langue ici. Mais tu sais, maman, c'est la réalité de la vie. Donc, si vous avez une mauvaise journée en ce moment, si vous avez un mauvais moment, vous avez mal à quelque part, c'est difficile, la vie est difficile, mais regarde, il y a des choses vraiment pires. Je vous envoie tout plein d'amour si vous avez des moments dans votre vie. Hein? Puis, je suis de tout cœur avec vous, je pense à vous. Mais c'est correct aussi d'avoir des mauvaises journées, puis de se dire que c'est correct. Mais bon, la grosse parenthèse, parce que je voulais vous montrer mes steaks up, là. Mais dans le fond, c'est ça. C'est juste parce que des fois, je sais que vous me demandez peut-être pourquoi des fois je prends des journées de congé, mais... Ça me fait du bien un petit moment. Mais bon. Grosse parenthèse pour vous montrer mes petits steaks. Là. Donc, j'aime bien faire ça. J'aime bien faire ça la semaine. Je trouve que c'est comme un petit repas passe-partout. Puis, ça fait longtemps que je ne les ai pas fait. Donc, c'est rien de compliqué. Là. C'est juste à chaque fois que je mets une photo sur Insta, le monde semble bien content de tout ça. Et dans le fond, j'ajoute les pains à sub. Moi, je les adore, ceux-là. Les petits italiano comme ça. Hein? Donc, les petits italiano. Je vais m'en faire un autre, d'ailleurs.
Je mets un peu de beurre. Ensuite, je le mets à broil un petit peu pour qu'il vienne comme croustillant. Mais comme pas trop. C'est juste en cause que je le mets un petit peu à cuire avant de comme mettre la viande et tout ça. Je trouve que ça fait comme un meilleur goût. Ah, je vais mettre direct là-dessus. Ah ouais, par là, je me sens funky. Celui-là, je le ferai pas. Je le mettrai pas à broil avant. Mais bon, ensuite dans la poêle, je fais revenir, tu sais, d'habitude, je mets des piments, je mets, tu sais, des oignons, je mets n'importe quoi ce qui est comme dans le frigo, là, que ça me tente de mettre dedans. Mais là, aujourd'hui, je filais, des fois, je mets des tomates, je les veux vraiment comme tout garni. Aujourd'hui, ça me tentait d'être bien basic et de manger très rapidement parce que j'ai très faim. Et donc là, je suis juste, je prends comme le petit steak, comme la petite viande à fondue, là. Donc, je fais ça. Après, je fais revenir ça juste dans la poêle, l'huile d'olive, sel, poivre. Toujours, je suis tannante, mais genre, mon high herb, vous allez dire, mandou, man, ton manger, c'est juste du high herb. Je trouve que c'est comme dépanneur. J'ai 1000 épices, mais on dirait quand je sais pas quoi faire, je mets ça vite fait, bien fait. Après, des champignons. Moi, c'est les steaks ça dans les champignons. Les champignons dans les steaks ça, mais j'adore. Ensuite, je mets un petit peu de sauce Diana quand la viande est comme pas mal terminée d'être cuite. Puis moi, j'aime ça bien comme brûlé presque. Peut-être bizarre, là. Oh, j'ai oublié de mettre la petite sauce. Voyons, mine. Et j'ajoute aussi ça dedans. Je trouve que ça fait un bon goût. Et la pièce de résistance, je mets du petit Doremi, genre du fromage halloumi, là, à broil dessus. Et c'est non. Je vais faire cuire des petites frites McCain avec ça. Puis mon petit bébé est parti. Comment dire? Comment on appelle ça? Un champ de tir? Genre un champ. Ouais. Parti là avec un ami. Puis. Il va venir tantôt. Donc, il va avoir des bons petits steaks, là. Je suis assez contente. Hier, il était à la chasse à la padrie. Puis là, ce soir, il fait une petite soirée au champ de tir. Mon homme, il adore les fusils. C'est comme une passion. Donc, il est parti là. Puis, je suis trop contente parce qu'il prend du temps. La serra qui prend du temps. Puis, comme là, hier, il a été avec... un de ses bons amis à la chasse, je suis assez contente. Puis là, soir, il va là, j'étais comme oh, cute. Mais bon, donc il va avoir des bons petits steaks, ça, là, quand il va arriver. Puis là, je vais mettre ça à broil. Et c'est pas mal tout. Il me restait un petit morceau. Je vais le manger avec vous. Sinon, trop belle journée dans l'école. Je vais aller au garage parce que je vous ai comme pas compté ça. Un autre petit morceau. Je n'ai pas pensé ça, mais j'ai eu comme la peur de ma vie à ce moment-là. Je pensais que je manquais sur la transe, mais genre, tu sais, quand tu roules à 100 000 à l'heure sur la transe, tu veux comme pas manquer sur la transe. Et là, je conduisais comme ça. Mine s'en va à l'école. Et là, on dirait que j'ai reculé, comme si j'avais mis reverse. Là, j'étais comme, OK. Là, je me tasse sur le bord du chemin. J'étais comme, malaise. Là, je vois de nouveau, j'essaye d'accélérer, ça voulait pas accélérer. Genre, je pesais au fond, fond, et ça, genre, ça allait à comme 70. J'étais comme, ceci n'est pas normal. Donc là, je suis allée au garage après l'école, puis là, finalement, c'est une affaire. Moi, je comprends pas trop les moteurs, là. Ben, c'est genre une affaire de moteur que le liquide, habituellement, allait par terre, mais là, en cause de l'écologie, puis... toutes les nouvelles technologies, genre, qui font comme pour aider, là. La planète, vous comprendrez. Et bien là, à cette heure, la place d'aller par terre, ça va dans comme une petite plaque. Ça va dans une petite... Regarde, je m'embarquerai pas là-dedans. Mais là, finalement, ma petite plaque était pleine. Ça allait à chaque 20 000 km. Il faut laver ça ou je sais pas trop quoi. Puis là, je suis comme rendue à peu près 40 000 km. Et là, ça avait besoin d'être lavé, mais plus changé. Parce que c'était trop. Et là, je devrais être bonne sur la transe. Donc, petite péripétie de mine. Et à part de ça, ben, c'est pas mal tout pour mes petits updates de la journée. Non, chose, je vous ai menti.
J'ai renoué avec la lecture, la gang. Je sais pas si je vous ai dit ça, mais il semble que oui, je vous ai dit que j'avais commencé mon livre. J'avais commencé un livre, là, c'est Suppléance, Amour et... Mon Dieu, j'oublie l'autre. Conséquence, non. En tout cas, je vais vous le montrer, là. Mais je vous avais dit que j'avais... J'ai oublié qu'il fallait que je fasse cuire des frites. Il va avoir un son, je m'excuse. J'ai vraiment mis de côté la lecture cet été en cause du mariage. Genre, tout le temps libre que j'avais. Ben, tu sais, on s'entend que j'avais du temps libre. L'été, je travaille pas. Mais genre, tout le temps que comme j'avais rien comme de planifier ou genre à faire, je passais mon temps genre à rêver au mariage ou comme aller voir des TikTok de mariage ou aller voir des Pinterest de mariage. Comme ma tête n'était pas à prendre un livre et lire, mais des fois ça me pogne, tu sais, c'est pas bouline. Puis des fois je pogne une longue bouline que je lis pas, puis là quand je recommence à lire, genre ça me prend juste une couple de pages pour me dire comme « Oh my god, mine, pourquoi t'as pas arrêté? Pourquoi t'as arrêté? Genre, j'aime tellement ça, genre j'aime tellement ça lire, puis comme me mettre comme dans la peau des personnages, puis comme... » Je sais pas, je capote. Donc, j'ai commencé ce livre-là quelques jours passés. Je l'ai déjà terminé, genre je l'ai dévoré. Je voulais plus arrêter de lire. Puis c'est drôle parce que c'est rare que je lis un livre justement sur la suppléance, ma réalité, puis ça parlait de l'école, puis je sais pas, c'est vraiment cute. Sauf que moi, je suis pas tombée en amour avec un enseignant de gym à mon école, vous comprendrez. Plutôt avec un petit amour, petit toutou du pétrole, ok? Mais c'est ça la gang, donc je vais attendre que tout ça cuit et merci de m'avoir écouté, me lamenter un petit brin, regarde, mais pourquoi me lamenter? On va se dire mes vraies affaires. Mais juste pour revenir sur la scoliose, si jamais vous m'écoutez et que vous vivez ça ou que... Tu sais, des fois on dirait on sait comme pas trop vraiment comment à qui parler, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a ça. Donc, si jamais, je sais pas, on va pas se partir un club de lecture de gens qui ont la scoliose, là, on ira pas là, mais si jamais vous voulez parler, je suis là. Ou si jamais vous avez quelque chose, je suis là aussi. Mais c'est ça. Des fois, ça fait juste du bien de dire. Ok. Donc, je vais attendre que tout soit cuit. Après, je vais écouter des petits vlogs. J'ai vu Johnny Pee Boyfriend a mis un nouveau vlog. Ensuite, me semble Chloé n'a mis un, mais je vais écouter son dernier. Je suis en temps avec les vlogs de Kat, puis ben genre Katchorette. Puis je suis en temps aussi avec les vlogs de Maril. Je suis en temps de plein de vlogs. Il faudrait que je me mette là. Mais c'est pas mal ça. Donc je vais m'ouvrir une petite canette de Paloma. Je vais me faire un petit spécial ce soir, c'est jeudi. Demain, c'est la dernière journée de la semaine. Après, c'est la longue fin de semaine. Après, c'est ma fête. Donc, donc c'est pas mal ça. Je vais vous montrer le résultat final après et je capote. Valeur que je peux pas vous montrer parce que je sais que ma mère va écouter ça. Mais je lui ai commandé quelque chose pour sa fête. Parce que sa fête est quelques jours après la mienne. Et j'ai trop hâte de l'ouvrir premièrement. Je l'ai même pas ouvert. Je lui ai fait faire quelque chose pour sa fête et j'ai vraiment hâte de le voir. Mais bon. Désolée de vous teaser, je vais vous montrer en temps et lieu. Là, ça fait être 18, donc ça ne va pas attendre trop longtemps. Vous le verrez prochainement. Mais j'ai bien, bien hâte de regarder dedans. Non, 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 non. Désolée, je vais vous faire languir. Hein. Oh. Ok. Donc, c'est ça. On se parle tantôt. Ça fait 1000 fois que je vous dis donc. Donc, bye! Bon, donc voici nos petits steaks, ça, vite fait, bien fait. Des fois, je rajoute d'autres Diana ou d'autres petites sauces chipotle. Ça dépend de la vibe du moment. Donc, moi, je m'y fais des petites frites. Francis, tantôt, quand il arrive, il sera peut-être des petites frites, mais habituellement, il mange deux steaks, ça, petites frites. Et je vais m'en apporter un pour mon dîner de demain. Donc, je m'en vais manger ça avec un petit Paloma, je vais vous montrer. Mais si vous avez écouté mon dernier vlog, vous l'avez vu, là, puis peut-être même dans mes vlogs, là, cet été. Mais c'est cette petite canette-là. Premièrement, elle est trop belle, et premièrement, elle est trop bonne. Je voulais dire, premièrement, elle est trop belle, et deuxièmement,
Elle est trop bonne. Je suis désolée, je me suis trompée dans mes petits mots. Sur ce, je me mets un agrume là-dedans. Ah ouais, par là. On est fancy et c'est à soir. C'est des agrumes, ben, en passant, que j'avais acheté de la boutique La Flandrie à Caracat. Mais sinon, c'est très possible. D'ailleurs, je vais les faire la prochaine fois dans mon air fryer, mais sur le mode déshydrateur. Ouh! Et je vais me mettre de la petite glace. Donc là-dessus, tchin tchin la gang! On se parle plus tard! Salut! Je sors de la douche. J'ai ma petite coco. Et environ 7h40, je pense. Donc, je vais faire mon petit skin scare. Puis, après, ça va être OD. Puis, après, ça va probablement être dodo. Mais c'est ça, j'ai tout terminé mon petit, mes petites crèmes et tout et tout. Mais j'ai comme oublié de mettre mon eau. Habituellement, je la mets genre tout de suite que je sors de la douche. Mais j'en mets, je peux en mettre après ma crème, j'en mets partout. Des petites brunes comme la Mario Basque ou celle d'Omi, elle arrive terminée. Mais c'est ça. Donc après que je termine mes petites crèmes, ben là je vais me mettre ça là. J'adore vraiment mettre dans le visage. Bonjour. C'est juste frais, c'est juste le fun. Après, j'ai un petit échantillon genre version voyage parce que j'en ai plus dans mon gros format. Mais c'est genre un gel de nuit de la neige. Je trouve tellement il est frais là. Je l'aime beaucoup l'été. Comme genre après des journées de soleil là. On dirait que ça fait du bien au visage. Mais je l'aime quand même, ça rafraîchit. Sinon, nos steaks up étaient merveilleux. Francis était trop content et ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas pris. Et sinon, je termine avec un bon petit lip mask, puis ça en beurre épais. Moi, mon préf de tous les temps, je pense que je vous ai déjà dit, mais c'est à la pomme verte, comme ça. Je pense pas que vous pouvez voir là. Il y en a un Pumpkin Spice. Je serais curieuse de savoir. Genre, c'est-tu too much? On dirait que... Mais sans que oui. Sinon, je voulais juste vous montrer mon livre que je vous parlais de tantôt. Et quelque chose que j'ai reçu cette semaine, je voulais vous en faire part. Puis après, je pense que je vais conclure le vlog là-dessus. Ça sera vraiment un mini-vlog de ma journée. Mais un mini-vlog. Un vlog normal. Pour une personne qui fait des vlogs très très longs, comme des émissions à Canal Vie. Là, on va faire un petit vlog, ok? Je dis ça, puis ça va finir, que ça va durer 30 minutes encore. Mais bon, donc le vlog, le film... C'est à jonctuer. À cause de Molly, j'aime dehors, là, faudrait que j'irai la rentrée, là. Je vais aller la rentrer, elle me déconcentre, puis je vous reviens. Puis elle pouvait bien, j'appelle, elle était comme pris genre dans les chaises de bois. Puis elle voulait faire un besoin numéro 2. Et elle ne touchait pas le gazon. Madame n'aimait pas ça. Elle voulait être sur le gazon. Mais bon. Donc, le livre que je vous parlais de tantôt, c'est Amour, suppléance et autres catastrophes. Puis ça vient de André-Anne G. Dufour. Comme ça. Puis c'est les éditeurs réunis. C'était vraiment, vraiment, vraiment bon. C'est un bon petit. C'est un petit chiclet, là, comme que j'aime bien. Pas compliqué. Ça parle de la suppléance, ça parle de l'école. Ça, c'est comme ma réalité, là. Autre que le côté amoureux, là. Mais c'était vraiment mignon. Sinon, lundi, j'ai reçu. Quelque chose de la belle Camille, donc Camille de Aura. Et je capote. Genre, si vous me suivez sur Insta, vous l'avez déjà vu. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Insta, je ne sais pas quoi vous dire de plus pour aller me suivre sur Insta. Mais, genre, c'est ça. Donc, Camille de Aura, je vous ai déjà parlé d'elle souvent.
Puis elle a une compagnie de bougies. Puis là, elle veut genre agrandir au rang. Elle veut offrir comme plus de produits. Vraiment. T'sais, Aura, c'est comme j'ai dit, là, pis je me souviens plus qu'est-ce que j'avais dit. Pis elle était comme ça en plein, ça. T'sais, c'est genre comme, t'sais, les bougies, self-care. Là, elle a sorti un jeu. Donc, c'est toutes des belles choses que ensemble, t'sais, c'est vraiment pour créer, genre comme, je sais pas, là, l'énergie est là. En tout cas, je capote, elle est trop vaillante. Genre, elle a fait un jeu. Bon, veux-tu niche maman? Niche maman! Viens! Viens-tu? Come back! Come back! Montre aux amis que tu peux embarquer sur la chaise! Viens! Non? Bon, je sais pas en tout ce que je disais, je m'excuse. Mais Molly, j'appelle, je me demandais pourquoi, puis là, mais c'est parce que Francis a marqué dans le truck, ça l'a envoyé les lumières allumées. Ça, on savait qu'il y avait quelqu'un qui arrivait ou qui s'en allait. Bon. Bref, je sais pas qu'est-ce que je disais, mais je pense que... Je suis en train de dire que Francis a des questions qu'il aimerait répondre, c'est certain. Mais genre, une question comme... Quelle que j'avais pognée une fois... T'sais, exemple, quel est ton au revoir le plus marquant? Comme... Trop mignon, là. Comme trop deep, trop parfait. Mais Jean-Francis me répondrait pas, ça, exemple. Mais comme exemple, un beau petit verre de vino avec mes girls, puis ouais. Donc, dans le fond, c'est ça, la belle cam a fait un jeu, ça s'appelle Être ensemble. Genre, la boîte est rose. Comme la boîte est un vieux rose, comme la boîte, c'est moi dans une boîte. Genre, je peux pas croire que cam a un jeu en boîte. Je capote. Comme elle a tout fait ça. Les cartes sont magnifiques. Genre, en dedans, c'est écrit You deserve to be loved without. Hiding parts of yourself. So, comme. Puis là, sur mon unboxing sur Insta, Cam était comme arrête de lire les cartes, ça va briser le jeu. Mais je veux juste vous en lire comme deux, trois pour vous donner à peu près. Là. Et genre, qu'est-ce que tu aimerais que les gens se rappellent de toi? Comme, c'est trop beau, là. Quelle est la dernière chose qui t'a fait pleurer? Ah, ben moi, je broye tous les jours, là, sans s'entendre. Comment me décrirais-tu si tu parlais de moi à quelqu'un? Comme il y en a plein. Ah, oh, j'avais pas vu, il y a des cartes beiges aussi. Il y a des cartes blanches. Je pense que vous pouvez voir. Il y a des cartes blanches, des cartes comme beige, puis des cartes comme rose. Oh, je capote. Je sais pas c'est quand ma prochaine Girls Night, mais c'est certain que je vais l'apporter. Donc, c'est ça, c'était son lancement mardi. Donc, il est pas trop tard. Là. Je suis certaine qu'il lui en reste sur son site. Puis, c'est tout le temps dans ma barre info, mais j'ai un code avec Aura. C'est mine 15, si je me trompe pas. Mais, des fois, j'ai des messages sur Insta, puis vous cherchez mes codes, mais c'est tout le temps dans ma barre info sur YouTube, si jamais. Mais pour vrai, là, je trouve que c'est trop une belle idée. Genre, imagine, tu fais des petits snacks, genre, tes petites charcuteries, tes petits fromages, tu allumes une bougie, prends un petit cocktail, un petit verre de vin, puis tu réponds à des petites questions. Avec tes besties, ton amoureux, ta famille, peu importe, qui est down, et de se sentir un peu vulnérable. Donc, je trouve ça trop, trop beau. J'ai hâte de voir qu'est-ce que la belle Cam nous réserve. Prête à te montrer vulnérable, c'est ça. Genre, trop cute, trop beau. Je capote. Donc, merci encore la belle Cam, même si je te l'ai dit sur Insta. Mais sinon, la gang, je pense que c'est... Je vais conclure le vlog ici. Je pense pas vraiment c'est un vlog qui fait de l'allure. Il y a genre moi qui se prépare le matin, et moi qui se lamente tantôt, puis là, moi qui vous montre. Ben au moins je vous aurais montré le jeu. Mais c'est ça. Quand il y a des vlogs, faut qu'il y ait des vlogs qui fait moins d'allure que d'autres. Là. Mais c'est correct parce que je vais me reprendre samedi. Ça fait tellement longtemps la gang, je suis supposée de vous filmer ce vlog-là. Là. Genre, j'ai commencé les démarches pour ce vlog-là. Cette vidéo-là, ça va être... Ben, ça va être forme de vlog, mais une vidéo spéciale. J'ai commencé les démarches, genre, comme milieu août, là. Même milieu début août. Et là, j'ai pas filmé encore. Je vous avais laissé des petits indices si c'était là. Je vous disais que j'allais filmer une vidéo avec d'autres personnes.
que vous connaissez probablement. Mais là, c'est ça. Donc, je vais la filmer samedi. Vu que c'est, je vais dire que c'est mon festival qui commence, je vais m'allouer une journée à moi-même. Donc, samedi, je me réserve moi-même pour filmer cette vidéo-là. Puis, ça va vraiment... je pense que ça va être le fun. J'ai vraiment hâte. J'ai hâte que vous la voyez, surtout. Mais j'ai hâte de... En tout cas, j'ai hâte. Puis, c'est ça. Donc, c'est avec des personnes, donc des personnes, que vous connaissez probablement très bien. Donc, j'ai hâte de voir. Puis, dans le fond, c'est ça. Pourquoi j'ai pris autant de temps? Ben, je voulais la filmer avant le mariage, mais là, j'avais pas toutes les choses que j'avais besoin. Puis là, genre, juste avant de décoller, j'étais comme pas mal setée. Mais je voulais pas me dépêcher avant la honeymoon. Puis là, après, ben, je suis arrivée ici, le travail, tra-ta-la, tra-la-la-la-la. Le train-train de la vie, tu sais. Puis maintenant, tu sais, j'ai juste le vendredi, le samedi, le dimanche. Puis j'essaie d'en profiter pour faire comme des activités, exemple, que ce soit avec mes amis ou dimanche, c'est pas mal comme reset day. Mais là, vu que j'ai comme une longue fin de semaine, je vais m'allouer cette journée pour faire ça. Mais bon. J'ai hâte de vous montrer. J'ai hâte de vivre ça avec vous. Ça va être bien drôle, je pense. Je vais arrêter de vous teaser, hein. Je suis comme tannante. Mais c'est ça. Donc, merci d'avoir écouté ce vlog assez ordinaire, on pourrait dire. Mais garde. Ça arrive des journées ordinaires. Dans le fond, ma semaine, c'est ben ordinaire. Donc, c'est pour ça que je vlog pas vraiment. Hein. Puis. C'est ça, la gang. Quand je sais plus quoi dire, c'est parce que ça ne va plus. Je vais aller écouter OD, puis je vais aller coller mon lit d'amour et on va aller faire dodo. Donc là-dessus, on se voit très très bientôt, puis je vous remercie beaucoup de me faire une place dans votre quotidien, comme toujours. Ça me fait chaud chaud au cœur de répondre à vos beaux commentaires tout le temps. Donc je vous remercie et moi je vous dis bye!